bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur FT, et bah non, c'était Non, c'est le pas FTP. troll. Non, 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 malheureusement, sur Project Ozone, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Épée, avec un joli arc-en-ciel. Ouais, t'as vu. Et t'avais déjà vu qu'il y avait. 36 planètes, oui, normal. On dirait qu'il y a un petit bloc tout en haut qui vole. Oui, c'est un chance cube que j'avais posé à un moment, et puis je me suis retrouvé à Tatooine là-haut. Ok, ça, okay. Ça explique tout. Ok. Tout va bien, tout est normal, Bon, tout est très clair. par contre, je suis mort une fois tombé en bas, hein, bien sûr. Bah, sinon c'est pas marrant. Voilà. Et du coup, alors Épée a pas mal avancé sur la partie panneau solaire. Et bah, comme on vous l'a dit lors du dernier épisode, on avait mis en place tout ce qu'il fallait au niveau immersive engineering ici pour les water wheels. Mais en fait, C'est useless. en vrai, bah, ça sert à rien. C'est le mec. Non, c'est pas que ça sert à rien parce que ça fait toujours de la production d'énergie en plus. Mais le panneau solaire sans aucune upgrade, le 2, génère 80 RF par tick. Voilà. Donc en gros, comment dire? Bah, on est plutôt tranquille en fait. Et à côté, j'ai rajouté Cobblestone Framework juste pour tester si tu veux le voir tourner. Ouais, Et le ça truc ring. il m'a généré un stack de cobble, mais genre comme ça, bam, claquement des doigts quoi. Ah oui, ce truc-là. Ouais, c'est violent quand même. Je voulais juste voir parce que du coup, je veux pas qu'il plombe non plus l'énergie des autres trucs. Ah, en plus, Par il contre, génère. ouais, il génère. Donc en fait, là, on a rien eu à faire. Je l'ai branché, bim, un stack. Par contre, je sais pas comment ça se passe au niveau de la suite du processus, tu vois. Parce que là, tu vois qu'il passe pas à l'étape suivante. Pas trop ce qu'il est censé faire. Peut-être qu'il faut qu'il soit full, je sais pas. Non, bah non. Non. Je sais pas exactement, peu importe, on regardera ça tranquillement, toujours est-il que bah voilà, là, t'as juste à enlever ton stack de cobble, il repart. Bon, on avait déjà un générateur de cobble, hein, ceci dit. Hein. Mais ouais, en tout cas, on est quand même largement tranquille avec les Solar Flux. C'est vrai que du coup, là, très rapidement, Immersive se retrouve direct sur la touche, en fait. Parce que vu ce qu'on va générer en énergie. Bah voilà quoi. Ça vaut pas le coup de se faire chier pour être honnête. Autant partir direct sur l'énergie solaire, franchement. Sachant qu'en plus avec les upgrades, on devrait pouvoir générer de l'énergie durant la nuit. Ouais. Très bonne chose. Qui empêchera d'avoir nos mechas qui soient à l'arrêt. Donc ouais. Passer le portail, j'ai pris du dégât direct, merci. Ouais, bah je ne sais pas. Je sais que en fait, si tu mets un coffre à côté, tu lui dis que c'est une sortie, il va te générer de la cobble à une vitesse grand V. Mais Ouais c'est tout. ça va vite ouais. Mais après c'est surtout c'est la suite quoi. Qu'est-ce que c'est censé faire d'autre? Bon faudra qu'on regarde rapidement sur bah, le wiki de c'est quoi c'est Addon Under.io c'est ça? Ouais. Tu l'as eu dans quoi ça? Dans un bag. Ah dans un bag ouais. Ok. Oui, parce que vu le prix en même temps, voilà quoi. Est-ce que c'est balèze à faire? Je m'en doutais un peu parce que ça a l'air un peu cheaté. Pena. Ça a l'air un petit peu cheaté comme truc quand même. Hop. Putain, je peux faire encore trois panneaux solaires de. Ah bah non, Tier je 2? crois. Non, 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 un panneau de solaire tier 2. Eh? Bah vas-y, hein, parce que bah là en termes d'énergie, on est royal là. Hein. 80 RF par tick, encore une fois, c'est l'équivalent. Et merde, c'est l'équivalent de 3 roues à eau. Hein. Bien setupé avec toutes les conneries de câbles derrière et tout, un peu chiant à mettre. Alors que là, ton panneau solaire, t'arrives, tu le places sur, tu le mets sur, tu le mets par terre et c'est fini. Ok. C'est ça. Ok, merci. Au revoir. Bon bah voilà, je viens de faire le deuxième panneau. Easy. Top là. Entendu Pigmen râler et j'aime pas trop ça. Ah, ils sont gentils les pigmen. Ou presque. Les vois pas. Si, j'en vois un. Oh, ça a l'air sympa là, il y a des arbres et des trucs et tout.
Toc, 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 tiens, je fous cela. Simple Allez, avec. monte, 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 monte. Hop. Bon, de Quoi toute ça? façon, le panneau solaire tier 3, c'est pas maintenant que je vais le faire. Hein. Bloodwood, je sais pas ce que c'est. Bloodwood. Ouais. C'est un arbre Du de sang. bois de sang. Ça doit être un arbre quelconque. Ouais. Alors, j'ai dit qu'il me fallait. Ah, j'en ai 6, largement pas assez. Toi, tu vas direction la Glowstone. Hein. Alors, laisse tomber, forcément comme d'hab pour aller choper de la glowstone, il faut taper la mission. La mission escalade. Ah là là. Et bon, on a carrément pas le stuff pour quoi. Ah, maintenant, c'est sûr. Donc bon, c'est un petit peu dangereux tout ça. Ah le con. Non, non, non. Vas-tu mourir? C'est la question. Jamais. C'est pas qui Battrai l'a dit, jusqu'à la ton fin. docteur. Jamais de la vie. Oh. Par contre, le ghast, nope, 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 nope. J'ai pas d'arc, j'ai rien là. Puni sur la pampa là, donc. Bah la pampa. Ça sent mal l'expédition de Nether en fait. Ah bah ça, hein, c'est toi qui vois. Hein. Ouais, mais on a besoin de trucs, on a besoin de choses. Parce que sinon, la glowstone, pour l'avoir, si on commence à s'amuser à essayer de l'avoir à la mano, laisse tomber, on va y passer la nuit. Hein. Oui, non, non, c'est bon, une fois pas deux. Bon, il en faut 14, c'est pas non plus. Aïe. Je prends toujours des coups dans les heures. Bah alors? Oh mon Dieu! Bah alors, on est J'ai mort? pas fait ça. Bah alors? Et si, je l'ai fait. Ça a été cool la chute? Oh mais pourquoi? Mais t'es sérieux? Non. Je regarde derrière, j'étais en mode ouais, je suis bien et tout, puis bah non. Oui, Nope. bah non. Le jeu il m'a dit non non c'est mort. Ouais, effectivement, t'es mort ici. T'es dans le Nether? Ouais. Je vois un ghast. Hey, salut le ghast! Et boum! Mais comment je récupère Tu la tapes. une araignée de l'enfer. J'ai pas d'épée, putain de merde. Voilà, bonjour. Ah merci. Je suis tombé où du coup? Ah là-haut. Tu es tombé juste Attends, j'ai au-dessus. fait. Chute de part. Ah ça fait bizarre de sauter du coup parce que j'ai un objet qui me permet de pas sauter pour Oui, monter. mais quand tu meurs, tu l'as plus, j'ai l'impression. Ah bah elle est là ma tombe. Ah, la Soul Sand. Qu'est-ce qu'on peut avoir avec la Soul Sand dans le sieve? Ah. Du quartz, la Nether, wart, des ghasts. Ouais, c'est cool. Ah ouais, prends tout, hein. Peut pas le crocher. Du coup, ouais, 6 de glowstone, je disais. Ah bah je saute plus, ouais, je suis obligé de sauter maintenant, je grappe. Ah mais je suis con, c'est parce que du coup. Speed belt. Et. Bon, on va laisser un souvenir. Ah voilà, c'est la speed belt qui me permet de pas sauter en fait. Par contre, c'est à double tranchant parce que du coup, tu montes d'un bloc et si t'as un trou derrière, bah en fait, Bah tu descends le bloc. bah surprise. Ok, est-ce qu'il y a de la glowstone quelque part? Il m'en faut encore pas beaucoup, mais il m'en faut. Peut-être dans les hauteurs, mais je suis pas sûr. Attends, il faut que je check déjà. Y a pas mal de restes de Faut mission. que je check déjà. Il m'en faut 14. Ok, 14. On voit de la glowstone là-bas. On est des fifous, on y va. Oh non, plus bébé pigmen. Ouais, Ok. ils sont bien les petits. Allez, allez, on se dépêche. Ah bah écoute, j'ai une tête de Wither, de Sérieux? Pigmen. Comme ça. Ouais. Sans looting, sans rien. T'es Sans comme ça, toi. looting. Ah, je suis comme ça. Comme ça, toi. Ok, et là, attention, moment de vérité, j'ai largement ce qu'il me faut, j'en ai 20. Rentre à la casa. Putain, les grosses araignées, c'est chiant. Aïe, non, 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 laisse-moi rentrer, dégage, dégage, dégage. Voilà. Où la sortie? C'est là-bas.
Je vais y aller en creusant parce que sinon. Je voudrais bien me grader ma pioche, mais. Ah tiens, ça peut être l'occasion d'upgrader ma pioche, tiens, c'est pas con ce que tu viens de dire. Ouais, je prends plus de dégâts de chute, moi. Bonjour. Coucou. J'ai toute la glowstone dont on avait besoin pour la quête, donc moi je me casse, ok? Ah, toi aussi. Voilà. Ah, Ouais, je te laisse faire du tourisme tranquille dans les heures, mais moi ça m'intéresse pas. Il reste plus, c'est mort. ah bon, pourtant, t'étais bien. Alors normalement, d'ailleurs je crois qu'on peut valider direct la quête, hein. Alors attends, je vais déjà ranger ce que j'ai récupéré. Hop. Essayer de ranger quelque chose. Tu vois, j'ai bien envie de faire Ouais. péter un gros change, un gros comment? Chance Un gros Ico. chance cube là. Ouais, le gros qui fait de la lumière partout dans le Nether. Au moins, si ça pète, bah du coup, il y aura un gros trou. Ouais, écoute, on peut faire ça d'ici la fin de l'épisode, on verra, hein. Moi je me mettrai bien à l'abri et puis je te laisserai faire, tu sais. Ouais, merde. Alors oui, on disait, on peut valider. Voilà, tu peux valider une quête supplémentaire. Tu vas nous donner de la Glowstone Ingot. Ah putain. To the Bug Dimension. Ah d'accord, ça c'est le portail pour Erebus, si je dis pas de bêtises. C'est ça ou pas? Ah voilà. Merfolk. Il y avait des zones spawnables en fait près de l'immersive, c'est pour ça. D'accord. Time for payback for this season. Alors il faut tuer. Fait, il y en a vraiment en fait des zones. Slider Mimic, Slider. Waouh, c'est quoi tous ces monstres là? Ok. Je veux que je le fasse où le portail de l'Aether? Je sais pas. En bas avec le portail du Nether? Ouais, ça sera plus cohérent. Ok. Là, je vais ranger du matos que j'ai sur moi et puis je vais le faire. Puis du coup, je sais pas, est-ce qu'on y va ou pas? Oh, ça pourrait être bien. Ouais. Bah, j'espère que c'est pas trop dangereux par contre. Oh, bah ça, hein, on verra bien. Peut-être voir le coup d'agrandir un peu ce merdier là quand même. Hein. On peut le mettre là. Pouvons observer un Wooten en train de creuser. Bah vas-y, vas-y. Ouais, t'inquiète. Hop, 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 un 2 de libre. Tac, tac. Là. Bizarre de faire un portail avec de la glowstone. Ouais. Voilà. Ah, par contre, attends, il me manque. J'ai pas tout ce qu'il faut pour l'allumer. Bien évidemment, sinon ça serait trop simple, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Récupère, récupère, récupère. Alors. Aïe, le cactus. À chaque fois, je me le prends le cactus. Ok, on est good. T'es prêt? Ouais, attends deux Par contre, avant de petites. partir, attends. Peut-être que je prenne un peu de bouffe. Moi, j'ai quasiment plus de bouffe, hein. T'as de la bouffe ou pas, toi? Des pommes. Ok, oui, pareil, hein, tu me diras. Peut-être qu'après, dans cette dimension, il y a des trucs sympas à faire, hein. Prêt? Attends, attends. Oui, bon bah voilà. T'as dû recevoir ce genre de choses, de Glowstone Ingot. J'ai mis là-haut. D'accord. Parce que ça per... Oh, en plus il y a de la musique. Ouais. Ça Ça va permet en vite me fait de saouler faire ça. des armures. Ah! J'ai mis ça dans le coffre ici à lingot en fait. Ah, à ingot, pardon. Ok. Si tu vas voir, je vais me faire un petit plastron. Pas piquer des hannetons. Fait. Vas-y, fait. Pouf. Et ça protège comme du diamant. Ah, t'es sérieux? 7 de protection, le plastron. Et aussi, tu peux faire une épée en glowstone comme ça. Je vais quand même confirmer l'épée en de l'eau. D'accord. L'épée en de l'eau, elle fait 9 de d'attaque. Ok, bah vas-y, stuff-toi, et puis moi je suis chaud pour y aller comme ça. Je t'attends. Je suis chaud là, je t'attends, vas-y, vas-y. Arrive, arrive, je me fais une petite épée et yolo. C'est vrai que s'il faut se taper, moi j'ai que dalle. Hein.
Ceci dit, mon Iron Paxel fait 5 de dégâts et ma Bone Mattock fait 6 de dégâts, s'il te plaît. Hein. Je vais prendre la Bone Mattock, tu vas voir. Allez, vas-y, défonce-les. Ça va déglinguer, tu vas voir. On va se faire défoncer aussi, mais c'est pas grave. Je sais pas trop en fait à quoi il faut s'attendre en Voilà. termes de violence. T'es prêt? T'as vu, je suis tout cossy. J'avoue. Vas-y, go! Yo! Wow. Wow. Style Paradise. Oh, c'est Oh! tout mignon. Oh! Pourquoi on a résistance? C'est le temps de passer le portail. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a moyen? Ok. Ça là-dessus, il n'y a rien qui change. C'est bien, au moins ça fait J'ai de la fois bouffe. fois 3 petits nuages. Skyroot log. Oh, attends, ça me parle ça. J'ai vu un craft où il fallait des logs particulières. Elles sont énormes, les petites musiques qu'ils te mettent à chaque fois là. Ouais. Putain, ils sont beaux. Ah oui, j'allais dire, c'est quoi la glowstone? Non, c'est le portail. Tu as mis sur ta map quand même où était le portail ou Oui, j'ai pas? mis un point. Tu. Ok. Bon, ça à la limite, hein, on verra après. Ça, c'est quoi ça? Orange Tree. Ah, Eh c'est moi bien. l'Orange Tree, je le récupère direct. Orange Tree, ça se trouve, on peut le planter et ça peut nous faire de la bouffe. C'est pas du luxe hein, d'avoir une source de bouffe supplémentaire. Hein. Par contre, ça, j'adore. Regarde, tu peux faire des logs avec du bois. Oui. Trop stylé! En plus, c'est beau les petites musiques. C'est quoi ça? Moa? Des espèces de grosses autruches? Bim! D'accord, c'est des poulets. Par contre, je sais pas du tout à quoi servent les trucs qu'on drop là, qu'on loot là, les petits nuages. Alors, de mémoire, dans cette dimension, t'as beaucoup de choses à faire. C'est en plus limite une dimension autosuffisante, je crois. Genre, limite, tu peux créer une partie directe ici et t'as tout en fait. Hein. D'accord. Et parce que tu vas trouver ta bouffe, tu vas pouvoir miner, avoir tes ressources, faire tes stuff, etc. Et de mémoire, tu as aussi pas mal de boss. Hein. J'ai des Golden Oak. Ah, bon savoir. Salut les autruches. Ambrosium Shard. Je prends. Oui, prends tout. Je prends tout, je suis un fifou. Oh! Oh oui, il nous faut du cuir, mec! Il y a des vaches et il nous faut du cuir! Faut juste qu'il ôte du cuir. Oh! T'es où? J'arrive, j'arrive. Faut que tu viennes me voir, c'est obligé. Ça y est, t'es là? Oui. Attends. Là, Oh, je les la tue petits. pour le sport. Mais viens voir, t'es prêt ou pas? Oui, faut pas sauter, j'espère. Non, non, non. Ouais, un chance cube. Ouais, c'est pour ça. Oh, du cryotérium. Bah tu perds. Ouais, mais j'ai pas de saut. Hop là. Merci, j'ai lu de Cryotium Bucket. Eh, tu vois les chance cube, ça vaut le coup quand même, hein? Ouais. Quand ça te t'explose pas la tête. Là, ça met un petit peu de temps à générer. Tu sais à quoi ça sert les espèces de petits nuages qu'on récupère? Genre, c'est comme si c'était de la thune. Absolument pas. D'accord. Alors, je vous avoue que moi, je suis un peu un noob, hein, surtout sur cette version d'Aether, je suis un peu un noob, hein, clairement. Bon, moi je découvre, je suis comme un gosse. Oh, un autre chance cube. Ah, qui me permet d'avoir trois chances cubes. C'est cool. Berry Bush, ça nous fera de la bouffe. Ah, c'est cool! Mary Bush, ça fera de la bouffe. Ouais. Par contre, t'as intérêt à bien regarder où tu mets les pieds, parce qu'il y a moyen de se péter la gueule, de se péter la. La Péter les dents tronche. là. Attends, j'ai un autre chance cube, je vais le péter. Entendu un bruit de, je sais pas, de loup-garou, je sais pas trop quoi. Ah, d'accord. Ah, c'est trop cool. C'est trop cool parce que on est sur. Aïe! Bah alors? Non! Non! Bah alors? Non mais t'es sérieux? Alors fais gaffe. Attends, il faut que j'arrive à retrouver le truc. Si tu trouves un truc. Oui, si tu trouves un Trouve un truc. truc un petit peu en forme de nuage.
Derrière, tu vois là où, ouais, tu vois là où tu es à ta gauche là? Tu vois cette Ouais. espèce de nuage vert comme ça là? Oui. Bah, c'est comme des slime blocks. C'est-à-dire que D'accord. ici en contrebas là, là il y en a, ici là, juste là. Ouais. Je les ai touchés et les trucs ils m'ont fait salut. Ah oui, d'accord. Très bien. Voilà, enfin très bien, sauf quand le truc il t'envoie au contrebas et que tu je sais pas combien de blocs parce que bah là voilà. Bah c'est voilà. Ah bah moi je récupère, hein, ça peut être cool. Surtout pour les mobs, ils essayent d'arriver dessus, ils se font dégager. Alors, on va se restuffer. Ah, je suis déjà quasiment full inventaire. Ouais, c'est le problème avec ce genre de choses. Hein. C'est que là, tu te balades, on trouve des trucs dans tous les sens. Je sais même pas, tu vois, s'il y a des objectifs à faire ici, du coup, par rapport au livre de quête ou pas. Mais pour l'instant, je me dis. Pourquoi il y Voilà, a moi, tellement de je me points de balade. rouge? Il y a énormément de points de rouge en dessous de nous. Deux? Ah ouais. Oh putain, ah ouais. c'est censé être quoi ça? Oh, j'ai un Water Bedrockium Drum. Avec un quoi? Avec un chance cube? Oui. Putain, en fait, c'est Carry. pété. Carrion Sprout. C'est mort. Moins du Flipprout. Ouais. J'ai tué des espèces de plantes à la Mario là. Bombastio cool. Uses. Ok, bon, les bouches, on verra ça. Il y a l'air d'avoir pas mal de trucs à choper. Quoi ça? J'ai ramassé. Ah, ok, donc ça, c'est un bloc de nuages là. Doit y Par avoir contre, une. tous les points rouges, c'est qu'on doit être sous un donjon ou un truc comme ça, à mon avis. Hein. Oh, c'est quoi comme minerai ça? Gravite. Oh, on est comme des. Aïe! Oh! C'est quoi ça? Je sais pas, mais il souffle. Ouais. Alors, je Aïe! confirme, hein. Encore! Putain, mais c'est quoi ces conneries? Mais ils viennent d'où? Bah, je sais pas, il pop. Question, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas aller voir tous les points rouges, sachant qu'on risque de se faire rape ou Holy shit! où est-ce qu'ils d'où ils viennent? Ah, ils viennent d'en haut. Ouais, j'ai l'impression. Allez, regarde, t'es où? Regarde le bloc là. Oui! Bon, on l'a perdu là par contre. Ça servait à quoi ça, tu sais ou pas? Pas du tout. Tiens, j'ai un autre chance cube si tu veux. Ah, t'es sérieux? Vas-y, ouais. Tiens, je te laisse le péter, hein. Oui! Aïe! Oh Poison! Oh putain! bah j'ai bien fait de te le laisser. Pourquoi tant de haine? Engineer Blueprint, vas-y, je prends. Oak sapling, on en a la blinde. Hein. Ouais. À la limite, hop! On va manger un bout. Ok, Voilà, bon, ok. normalement on a pas mal de trucs à faire. N'hésitez pas dans les commentaires à nous balancer des infos pour ceux qui connaissent déjà la dimension, qui ont déjà joué, à donner des petites infos sur tout ce qui est boss et tout, parce que je crois qu'il y a des boss là-dedans à faire un peu dans un certain ordre si on veut pas se faire littéralement éclater la tronche. Alors, en dessous de toi, c'est que des blazes. C'est que des blazes. Ouais. Des blazes du genre du Nether? Non, les blazes qui te foutent poison et slowness. Donc des vraies merdes quoi. Voilà. J'essaie d'aller dézinguer une ou deux autres vaches, puis en même temps d'aller vers ici où je suis pas encore allé. Par contre, c'est Eternal Day ici ou comment? Je pense que c'est vraiment Eternal Day. On dirait qu'il fait jamais nuit. C'est pratique pour mettre les panneaux solaires. Grave. C'est vrai que là, je Oh. suis en train de faire une razzia de 7 de cuir. Je sais plus pourquoi il nous faut du cuir, mais écoute, hein, sans pitié. Hein. Alors par contre, j'ai un Golden Oak. Par contre, je sais pas comment on fait Oh. pour récolter le gold. Oh, stylé! C'est quoi ce bruit? Oh putain. Putain, c'est quoi ça? T'as eu un genre de... Ouh. Ah non, je confirme qu'il va faire nuit. Oui. Et à Ouais, mon je me avis... suis fait attaquer, mais. Et à mon avis, c'est là qu'il y aura les boss. Bon, moi j'ai un gros bug de chunk par contre. T'es sérieux? Ah, le coup de stress, il m'a mis un coup de pression, je savais pas quoi faire là.
Écoute, ça c'est pas grave pour l'instant. Oh putain, il y a des blisses qui ont popé maintenant. Oh là là, je suis pas safe là, je suis pas. Mais c'est pas. Qu'est-ce que je peux virer? Aether Dirt, on s'en fout. Bon, il y a trop de blaze. Oh, salut Voilà, on toi. va ramasser ça. J'entends des dégâts là, ah, c'est toi. Ouais. Putain, j'ai pris poison de quelque chose. Ah là là, oh là là, oh là là. Non, 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 laissez-moi, je rentre à ma maison. Laissez-moi danser. Bon, on va Oh peut-être rentrer putain, à la non. maison avant. J'ai combien de cuir? J'ai 7 de cuir. Je crois que si... En fait, le cuir, il nous le faut, tu sais, pour faire les gants de Tinker. Ah, puis il en faudrait pour la table d'enchant. Ah, c'est des gros dindons. Mais par contre, il donne des rares loot bags, hein, donc je pense qu'il y a moyen d'avoir des trucs bien sales. Hein. Là, j'entends des espèces de loups-garous et tout, là, j'ai pas Ah bah c'est confiance. eux. Passe-toi, tempeste. En fait c'est eux qui balancent les flèches. Écoute, moi je vais faire. À la limite, au pire, on revient. Mais là, pour l'instant, je vais déjà déposer tout mon matos. Hein? Parce que nos respects. Et tu me diras, ça va vite, hein, à faire les gamins et à se balader. On est déjà à 26 minutes de record, n'empêche. Oui déjà. Il faudrait qu'on fasse péter un gros cube dans le nether. Ouais, bah vas-y, on fait ça pour finir si tu veux. À la limite, ouais, voilà, reviens. Je vide par contre un peu mon inventaire parce que c'est un peu le bordel de partout. Et à la limite, si tu veux, on fait opération. Tiens. Opération méga cube dans le Tiens, tu vois, Nether. j'ai un water. Bedrockium. De Et t'as quoi? eu ça dans un Chance Cube? Dans un Chance Cube. Oui. D'accord. C'est Donc trop cool. En c'est... plus, moi j'ai eu un Gélide aussi, hein. Tu me diras. Ok, bah tout va bien, écoute. Hein. Easy, j'ai envie de dire. Normal, Alors, hein? on a de la bouffe à faire cuire aussi, parce que franchement, j'ai eu pas mal de trucs. Donc, tiens, on va ouvrir les loot bags. 4 redstone alloy, je prends carrément. Moi c'était de la merde donc du coup j'ai jeté. Charcoal, wheat. Ah, ça, c'est pas top par contre. Par contre Ok, si je donc vais dans tac. le nether faire péter le truc, je vais me mettre à poil. C'est pas que j'ai pas confiance, mais un peu quand même. Et ça va être un petit peu dangereux cette histoire. C'était cool la laser. Franchement, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs bien sympas. Hein. Un de ces merdiers dans mon inventaire, ça veut plus rien dire cet inventaire, tellement il y en a de partout quoi. Au moins le nether, il sera nettoyé hein, si ça fait boom. Ouais, j'espère qu'il n'y a pas 150 sources de lave de partout par contre. On a débloqué quelque chose ou pas du coup? Ou Je pas du pense tout? pas. Ouais, non, ça suffisait pas juste de se balader un peu sur la pampa et de se balader, ça leur suffisait pas en fait. C'est pas grave. Mais bon, il y a un des trucs, ça s'appelle Labyrinthe, et il demande de tuer différents monstres. Labyrinthe Eye, Sentry Guardian, Slider Mimic, Slider, ça se trouve, c'est des mobs de laser en fait, tu vois. C'est des. Ah! Ici, on a avancé une quête sans faire exprès. C'est l'Air Cloud. Il faut ramasser un bloc de chaque couleur. Ah oui, ah Ok, bah c'est pas grave. au moins c'est cool, on saura Alors, t'as de quoi faire un gros méga chance cube là ou pas? oui. Vas-y, fais péter, on y va. Tiens, à la limite, avant de partir, je vais mettre la bouffe dans les fours. Voilà. Ah. Et voilà, comme ça, la bouffe est en train de cuire. Bah, moi, je suis prêt, hein, go. Je le sens super mal, franchement, ton Je truc. te garantirai de d'enlever ton stuff. Avant. Ouais. Au moins d'être sûr, parce que bon. Bon, après, on récupère ça dans la tombe, hein, tu me diras. Hein. Si c'est la truc de Draco, non. Prendre l'épée au cas où. Allez, vas-y. Hop. Oh là là, le méga chance cube. Non! Je vais faire ça où? Alors, pas à côté du portail, par contre, histoire qu'on puisse rentrer. Ah bah de toute façon il y aura un truc qui va risque de faire tout péter c'est ça hein, donc Oh merde, on a pas de flint and steel s'il faut. Bon, vas-y, mets-le tout au bout là-bas, parce qu'il y a un couloir qui a été creusé. Mets-le tout au bout là-bas. Hein. On sait jamais. Je le sens mal. je vais déjà péter un peu de nether brick break rack Bah attends, j'ai une iron pixel qui est quasiment pétée. Hein. bah vas-y T'as un combien sur combien? 3 par 3.
3 par 3? Vas-y. Ah, il en faut plus. Il en faut plus. Attends. Ah ouais, oui, bah oui, carrément, il t'en faut encore 18 là. Oui, c'est pour ça que je me disais, mais merde, pourquoi il veut pas? Ouais, je sens mal ton truc. Oui, moi aussi, mais t'inquiète pas aussi. On va dire c'est pour la beauté de la vidéo. 9 et 9, 18, voilà. Bon? Hop. Allez, vas-y, je vais voir ça. Donc ça va être épique ou pas, mais en tout cas on va être très rapidement fixé. Oh mon dieu. Oh putain, le bruit m'a fait peur déjà. Ok, tu vas le péter? Oh, putain. The floor is lava. Hein? Ça veut dire quoi? Quick, the floor is lava, donc ça veut dire vite, le sol c'est de la lave. Oh putain, oui, j'entends miner. T'entends miner où ça? Là-bas, j'entends miner, miner, miner. Attends, je suis triste, là je vois rien. Oh putain, oh putain. J'entends des blocs se péter, mais un truc de violent. Mais c'est en train de générer de la lave où? Je crois en dessous, mais. Eh, regarde, regarde, il y a de la lave au plafond. Ah oui. Ah! Oh putain, mais on pourra plus revenir dans le Nether à ce rythme-là, mec, hein. C'est arrêté? Non, c'est pas arrêté. On aurait jamais dû faire ça. Tiens, tu veux en péter un autre? Tiens, vas-y, pète. Non, 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 tiens nous. Oh maman, 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 maman. On n'a pas de flint et steel pour rentrer s'il Oh, faut. oh. Il s'est passé quoi? Oh l'enfoiré, c'est toi qui as eu l'épée du coup. GG, mais mets pas trop près du portail parce que vraiment on va être bloqué après. Eh, ça s'est Bon, arrêté hein. non, ça Ah non. continue. Bon, tu sais quoi, on a la lave infinie, voilà. Oh, c'est classe. Ouais. Bon, écoutez, voilà, on a fait un méga chance cube, salut, au revoir, je rentre à ma maison. Une Divine Sword. Oui. Bah écoute, tant mieux, au moins c'est rentable. Allez. Sharpness 10, YOLO. Bon, en tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à nous balancer au niveau de la Aether, vu qu'on l'a débloqué aujourd'hui, si réellement, qu'est-ce qui peut un peu avoir le coup à ce niveau-là, là-bas? Est-ce qu'on peut y récupérer? Et puis, bah, des conseils s'il y a au niveau des boss, parce que je crois que c'est assez crescendo, faut pas se planter, quoi. Faut pas aller voir un boss alors qu'au final, c'est le mec qu'il faut que tu battes en dernier ou un truc comme ça, parce qu'on risque d'avoir des problèmes, tu vois. D'accord, bon, c'est bon à Mais je. savoir. Ouais, je crois, mais je dis peut-être une connerie, hein. Je confonds peut-être aussi avec bah, la Twilight qui est un peu dans le même principe. Donc, bon, en tout cas, le Nether, bah, j'espère qu'on pourra y retourner un jour. Mais Mais dans l'immédiat, j'ai quelques doutes. on Et puis, verra ça, pareil, hein. ceux qui savent, on va aller checker quand même hein, sur le wiki, mais ceux qui savent, le Cobblestone Framework de Under.io Addons, pareil, n'hésitez pas à balancer des infos dans les commentaires. On est preneur et puis on lira tout ça tranquillou. Voilà, t'es où épée? Bah, je suis sur le. Allez, délinquant là qui a voulu tout péter. Et Mais nous non. bloquer le Nether parce qu'on aurait été mal en plus. Bon, ceci dit, faudra aller rechecker un peu plus tard. Je pense qu'on va rip-hop Dans un cube de lave. dans un océan de lave, mec. Ça va être franchement tendu du cul, quoi. Allez, zou! Merci d'avoir regardé cet épisode et rendez-vous à la prochaine. Ciao, À la prochaine. ciao! Tiens là, toi. Non, je retourne dans l'Aether chercher du cuir. Non. 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 Non! Enfin, je Voilà. regarde d'ailleurs. Le gant, je crois que c'est.